tout ça, il y a quoi à raconter. Il y a l'histoire d'un sportif, mais il y a l'histoire d'un jeune garçon qui tombe handicapé. Il y a tout ce qu'ont vécu ses parents. Tu sais, tes parents, 23, 24 ans, ton gamin tombe handicapé, il tombe face à un toubib qui lui dit « Votre enfant, il ne remarchera jamais. » En plus, c'est une erreur médicale. Moi, à la base, je suis rentré dans un hôpital, je suis ressorti handicapé. Voilà, c'est une erreur médicale. Garde-avocat, ça part dans les gardes-avocats. Mais tes parents, t'as un père qui est électricien, l'autre qui est femme au foyer. Donc, niveau thune, ils n'ont pas énorme. Donc, c'est quoi? Avocat commis d'office. Comme c'est un dossier lourd, c'est parti jusqu'à Paris. On est parti au tribunal jusqu'à Paris. Il fallait injecter de la thune qu'ils n'avaient pas. Et face à des avocats de médecins, quoi. Ils sont des machines de guerre. Donc, on a perdu. Après, il fallait relancer en appel. Ah ouais, on a perdu. Je dis clairement. Il fallait relancer en appel, mais mon père, il s'est retourné vers moi. Il m'a dit, Mathieu, maintenant, on va apprendre à vivre autrement, quoi. Voilà, c'est pas grave. On a perdu ce combat-là, mais on va partir sur autre chose. 6 ans, je reviens à l'école. On te dit que c'est pas possible, quoi. Tu te dis, voilà, on peut pas accepter votre enfant. Il est en fauteuil, on sait pas faire, etc. Donc là, il faut se battre. Il faut que moi, je sois capable de leur montrer déjà, 4 ans, 5 ans, hein, que je peux être un enfant comme tout le monde, aller à l'école, être aussi intelligent, réussir, etc. Donc je redouble ma grande section. Enfin, j'ai loupé l'école, donc ils me remettent en grande section. Et de là, ça part. Mais mes parents se sont battus, quoi, pour me maintenir dans ce système scolaire alors qu'ils voulaient m'en sortir, hein, les écoles. Et au bout de 2-3 mois, les profs et tout sont revenus. Et en fait, il est extraordinaire. Ce gamin, il est capable de faire comme tout le monde, il est capable, tu vois. Et déjà, tac, là j'avais changé quelque chose. Dans ce passage à l'école, là j'ai changé quelque chose.